bouger ta ceinture de sécurité. Oh, zada, 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 I'm Rabbi. It doesn't matter what I do or matter how I look. A soldier is a soldier, don't play with a soldier. I got my skills, I got my guns. If you mess with me, I'm gonna put a bullet in your head. A soldier is a soldier. It doesn't matter how far. They are trained to be brave, they are trained to be wise. No matter what you do, don't try a soldier. Don't try because I'm a soldier. Hey, don't you mess with a soldier, cause still I'm a soldier. Hey, don't you mess with a soldier, I'm a soldier. Hey, don't you mess with a soldier. Mon pote, tiens d'abord comme ça. Je vais faire une démonstration. Tu peux essayer de le faire. Je ne peux pas essayer de le faire. Je ne peux pas. Donne-moi de l'eau à boire. Oui, vas-y, tiens. Scorpion. Oui. Il y a quelque chose qui me dérange. Et je ne pourrai pas du tout être en paix. Peut-être tu ne l'as pas encore entendu. Il y a un siècle passé, un philosophe a dit que un problème partagé est à moitié résolu. Dis-moi, qu'est-ce qui te dérange? Dis-le-moi. Scorpion, je ne veux pas que tu sois dessus, mais je veux résilier de ce poste. C'est quoi ça, mon pote? C'est impossible. Il ferait mieux de savoir que il n'y a pas une autre façon que tu peux le contourner que de prendre toi-même la décision de continuer avec ça ou le résilier. C'est ça la solution. Je sais tout ça. Mais ma mère est en train de mourir, Scorpion. Elle est en train de mourir. Tu sais que je suis aussi son seul enfant. Elle s'inquiète de ma profession. Elle veut que je me marie. Elle veut me voir, me marier et élever mes enfants. Scorpion, j'aime cet uniforme. J'aime cet uniforme de toute ma vie. Mais c'est ma mère que j'aime le plus. Je sais, tu le fais parce que tu es justement concerné. Tes raisons sont vraiment valables. À quoi sert notre amitié? T'inquiète, nous allons trouver la solution ensemble. Ne t'inquiète pas, partons. Tu le fais vraiment d'une manière tout à fait légitime. Mon ami. Monsieur. Tu dois te dépêcher. Je suis déjà en retard pour le boulot. Oui, okay? Merci, monsieur.
Précieuse? Précieuse, as-tu encore pris de l'argent de ma poche? L'as-tu fait? Oui, je le fais. Tu l'as fait? Oui. Et tu es fière de le dire? Combien de fois t'ai-je averti d'arrêter de prendre mon argent sans ma permission? Qu'est-ce qui est arrivé à tes bonnes manières? Oh, chérie, s'il te plaît, arrête ça. Écoute, je n'ai pas besoin d'avoir la permission avant de prendre ton argent. Ton argent est mon argent. Mais mon argent est mon argent. Oh, oh. Mon argent est notre argent. Mais le tien t'appartient. Précieuse? Daniel. Précieuse? Daniel. Précieuse, combien de fois t'ai-je appelé? Maintenant, écoute-moi. Qu'aujourd'hui soit la première et la dernière fois que tu prendras mon argent sans ma permission. Est-ce que je me suis fait comprendre? Viens, mon bébé. Écoute, chérie, je n'ai pas besoin d'avoir ton autorisation pour prendre ton argent. Mon ton bébé... argent, c'est notre argent. Je le prendrai comme bon me semble et rien ne va se passer. Ah ah! Bébé? Précieuse. Précieuse. As-tu pris l'argent dans mes affaires? Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce qui ne va pas avec cet homme? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce que c'est, non? Qu'est-ce qui ne va pas avec mais toi? Mais qu'est-ce que c'est? Ne faut-il pas que je voulais tomber? Qu'il ait fait brûler ta sale bouche. Je voulais tomber, je me suis trompé, j'étais touché. Regarde-toi, tu n'as même pas honte. Tu vois bien que je voulais tomber. Et puis tu n'as pas quoi, idiote? Idiot. Touche-moi encore, tu vas voir. Un sale petit idiot. Es-tu folle? Regarde-moi celui-là. Tu n'as rien juste mais regarder derrière. Qu'est-ce qu'il y a pour moi avec toi? Tu ne vois pas que j'allais tomber? Pourquoi t'es allé là-bas? Non, viens parler ici devant moi. Idiot! Tu veux pas déranger là-bas? Non, non, viens m'affronter ici. Viens, non? N'importe quoi, idiote! Tu cherches à créer des problèmes. Pardon? Kevin, comment vas-tu? Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Laissez-moi laver la voiture, non? Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Laissez-moi la nettoyer avec de l'eau pour que ce soit propre partout. Pour que ça brille. Ne t'inquiète pas, je l'amènerai au lavage de voiture. Lavage de voiture? Oui. Pourquoi aller avec ça là-bas pendant que moi je suis ici, non? Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Laissez-moi, je l'amènerai la là-bas, nettoyer. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, c'est bon. Mais ce n'est pas un problème. Je peux le faire, pardon. Oh non, Kevin. Je peux le faire. Ne t'inquiète pas, d'accord? Va juste me chercher Angela. D'accord, oui. Angela. Où se trouve cette idiote? Angela? Idiote! Angela! Idiote! Angela! Thank you.
Mon amour. Mon amour. Tu continues à dormir? Hein? Je crois que tu... Je peux voir que tu as beau profiter de ton sommeil. Oui. D'accord, mon amour. Je vais juste te rappeler que... Je voyage demain. Ou peut-être après-demain. C'est pour un voyage d'affaires. D'accord? Et je vais revenir le dimanche. Es-tu sûr de rentrer à la maison bientôt? Oui, bien sûr, le dimanche. Je sais que je vais énormément te manquer. Tu vas me manquer. Moi aussi. Viens chez moi. Avant que tu ne remarques, je serai de retour. Cher Francis, mon amour, on a carrément perdu notre habitude de se parler. À ce qui nous concerne, je suis venue avec nos deux enfants, Obina et Angèle. Nous avons hâte de te voir ce week-end, comme on s'était entendu, le samedi pour plus de précision. Je ne pourrai pas te laisser à cause de ta soi-disant femme. Oh mon Dieu! J'aimerais bien te rappeler. Oh mon Dieu! Moi et toi, on est fait l'un pour l'autre. Non. C'est Monica. Oh Seigneur! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, Francis! 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 Non, 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 c'est pas vrai. C'est pas vrai, Francis. Francis, tu es une autre famille. Oh, non. Je n'arrive pas à y croire. Je n'arrive pas à y croire. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mon téléphone. Où est mon téléphone? Oh non, 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 Seigneur, c'est pas vrai. Jennifer, je dois l'appeler. Je n'arrive pas à y croire. Je dois l'appeler. Oh, précieuse. Allô, précieuse. Allô, Jennifer. Où es-tu? Es-tu à la maison? J'ai vu à peine de sortir pour faire quelques achats. Espérons que tout va bien. Tu as l'air inquiète. Jennifer, c'est mon mari. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi avec ton mari? Retourne-moi dans le croisement là où j'apprends le cours d'anglais. J'espère que tu seras là, n'est-ce pas? Ok, ok, oui. Qu'est-ce qu'il y a avec son mari?
Jennifer, je suis foutue. Je suis morte. Pourquoi tu as l'air ici, non? Lisa, juste regarde. Ne peux-tu donc pas voir que je suis en train de mourir? Je te l'ai dit à plusieurs reprises que tous les hommes sont pareils. Mais tu as continué à garder ton mari. C'est exactement la même chose que j'ai divorcé avec mon mari. Je l'avais attrapé avec une autre femme. Je suis foutue. Hey. Je suis foutue, Jennifer. Hey. C'est très sérieux et très critique. Et les enfants aussi. Pas même un, mais deux. Jennifer, oh. Jennifer, écoute, j'aime mon mari. Je l'aime de tout mon cœur. Aide-moi. Je suis pas prête à le perdre. C'est bon, du calme. Laisse tout ceci entre mes mains. Demain, samedi matin, nous allons traquer cet hôtel avec des personnages du média pour connaître toute la vérité. On verra bien cette sorcière avec ses enfants. Oh, vas-y, entre Jennifer. Dans la voiture. Allons-y, allons-y. Jennifer. Elle verra bien. Madame, madame... Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ton problème, Angela? Désolée, madame. C'est tout le monde qui me... Tout le monde m'énerve. Les hommes... Qui sont le problème? Elle est mon amie d'enfance. Et c'est qu'il la trouble, mais trouble aussi. Mais pourquoi son propre mari peut faire une telle chose? C'est terrible. Madame, moi aussi, c'est l'une des raisons qui m'a fait divorcer avec mon mari. Et depuis ces jours-là, j'ai la paix du cœur. Écoute, je veux qu'on le disgracie, l'humilie partout dans le monde. Tu vas nous chercher l'une de tes collègues pour nous rejoindre. Ok, attends que j'appelle mon ami. Allô Cynthia, comment tu vas? Je vais bien et toi? S'il te plaît, peux-tu venir chez moi ce soir? D'accord, pas de problème. J'espère que tout va bien. Pas de problème. T'inquiète, il n'y a pas quelque chose de grave. Il y a juste une chose que nous devons régler ce okay, soir. Ok, j'espère qu'il y aura quelque chose d'intéressant parce que j'ai vraiment besoin d'argent. Tu aimes beaucoup l'argent, viens d'abord. Gah, mais qu'est-ce que c'est? J'espère que c'est quelque chose d'intéressant. C'est fait? Je parle avec elle, elle sera là ce soir. Je okay. le crois. Merci beaucoup. Tout d'abord, tu es sérieuse. Tu peux vraiment imaginer une telle chose? Les hommes sont des vrais méchants. Hein? Comment il peut faire une telle chose à mon ami? Hein? C'est très bizarre. Il la blesse à tout moment, tu peux l'imaginer? Hein? Ce n'est pas normal. C'est juste parce qu'elle est une bonne femme? Je dois aller au supermarché. Je dois aller faire les achats. Je ne sais pas si ça te va. Dis-moi. Sois juste prudente, ma belle, ok? Je serai prudente parce que je reviendrai chez toi. Comme tu voudras. Bonjour, cher salut, frère. Madame. Bienvenue. Bienvenue, monsieur. Ah oui, merci. S'il vous plaît, je vais descendre là-bas. Allez acheter quelque chose. Ok. Vous connaissez la fille, n'est-ce pas? C'est qui cette personne? Je parle de Favor. Ah, Favor, oui, nous connaissons Favor. Oui, c'est ça. Elle va arriver ici bientôt. Alors, c'est dès qu'elle bon. Arrive, vous allez lui remettre ses clés. Écoute, d'accord, une chose, monsieur. Si tu pars à Shoprite, j'aime beaucoup les shawarma. Achète pour moi les shawarma. Juste un peu de la crème. Je sais que le soleil est vraiment accablant.
Je vais me rafraîchir un peu. Non, 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 non. Ne t'inquiète pas. Je sais bien ce que tu aimes. C'est bon, bon, allez. Bonjour mesdames, vous êtes les bienvenues dans notre hôtel. Comment pouvons-nous vous aider? S'il vous plaît, nous cherchons une certaine madame Monica. Elle a des enfants. C'est ma sœur et puis ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Attendez s'il vous plaît, je vais vérifier. Sœur Monica, 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 Monica. Désolée, mesdames, on n'a pas un tel nom dans notre hôtel. Êtes-vous sûre qu'elle loge ici? Nous en sommes vraiment sûrs. Ou soit, elle a essayé de nous échapper. S'il vous plaît, laissez-moi intervenir un peu. Comme ma collègue vient de le dire, nous n'avons pas un tel nom enregistré dans cet hôtel. Il serait mieux que vous l'appelez pour plus d'informations. Ok. Merci beaucoup. Oui, merci. C'est étonnant. S'il vous plaît, Cynthia et Jay, partez déjà de la voiture. Nous vous rejoindrons bientôt, ok? Merci. Calme-toi. Tu vois cette Monica? Elle aura de mes nouvelles. Dieu ne va pas la permettre de détruire ta maison. Mais qui est cette femme? Relax. Qui est cette stupide? Je la découperai en morceaux. Je sais ce que tu peux faire. S'il te plaît, dis calme. Je n'accepterai pas qu'elle puisse me voler mon mari. Ça va aller. J'aime mon mari. Relax, ma belle. Bonjour, madame. Bon après-midi. Hey, oui, madame. Oh, mais que fais-tu ici? Je travaille ici, madame. Et qu'est-ce qui vous amène ici, madame? C'est vrai? Oui, madame. Tu travailles ici? Oui, madame. À propos, je suis venue rendre visite à mon amie. C'est depuis la semaine passée qu'elle est logée ici. Comment il s'appelle? Monica, tu la connais sûrement. Ah, c'est pas vrai, madame. Il est vrai que nous travaillons dans l'hébergement, mais nous n'avons pas eu de visiteurs depuis lundi jusqu'à vendredi. Mais pas jusqu'à maintenant. Pas de problème. Merci. Comment va monsieur Aziz? Il va bien, il va très bien. Avant, je crois que nous devons partir. Je ne comprends pas ce qui arrive vraiment. Il paraît que ce mari est plus intelligent qu'elle. Les hommes. J'ai pitié en la pauvre femme. Jennifer m'a tout relaté lorsque j'étais à la maison. Je ne peux imaginer qui dit la vérité maintenant. Ah, le trauma émotionnel. Je ne comprends pas. Es-tu sûre que tu l'avais vue dans cette direction? Elle n'a pas changé d'hôtel par hasard? Non, il ne l'avait même pas remarqué. Pas du tout. Mais alors, pourquoi ça? C'est aussi ce qui me surprend. Non, ce n'est pas clair, c'est très étrange. Jennifer, ma belle, je suis vraiment perdue. Entrons dans la voiture et partons.
Désolé. Viens, c'est quoi ton problème? Pourquoi m'as-tu fait attendre devant le portail? Es-tu malade? C'est juste que... Es-tu fou? Si tu le fais encore une fois, tu seras viré. N'importe quoi. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec tout le monde dans cette maison? C'est tout le monde qui me manque du respect. Ça ne va pas dans cette maison. Dans ma propre maison, ça ne se fera pas. Bêtise. Non. Tu es une idiote. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est notre madame, je ne comprends plus aujourd'hui. Elle m'a giflé. Attends. Je ne connais pas la raison. Es-tu sérieuse? Je suis sérieuse. Tu sais, elle vient aussi de me donner ma paro. Une fois que j'ai seulement ouvert la porte. Tu dis vrai? Qu'est-ce que tu avais fait? Je n'ai rien fait du tout. J'ai juste ouvert la porte. Elle me dit, j'ai perdu du temps. À chaque fois que tu commenceras à perdre du temps, je vais commencer à te frapper. Madame n'a pas d'humeur aujourd'hui. Laisse-moi finir ce que je faisais. Elle est là-bas. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est comme ça? Hein, mon ami, lorsque tu vas entrer, et quand est-ce que tu vas entrer? Es-tu surprise de me voir? N'est-ce pas? Pour ton information, je n'étais allée nulle part. J'étais juste partie voir ma mère et j'étais déjà de retour ce matin, à partir de 8h. Monsieur Francis? Allô? Allô, mon ami? Comment vas-tu aujourd'hui? Oh, messieurs, content de votre appel. S'il te plaît, je veux que tu me fasses une faveur. Oh, allez-y, messieurs. Vous savez que je peux tout faire pour vous. Oui, ma femme, je crois qu'elle pourrait passer à ton poste de travail le samedi.
S'il te plaît, surveille-la. Une fois qu'elle sera là, n'hésite pas à m'appeler. Considérez que c'est fait, messieurs. Aussitôt que j'aurai posé mes yeux sur elle, je vous fais signe. Merci énormément. Je vous en prie, messieurs. Je veux attendre ton appel. C'est bon. N'étais-je pas interdit de fouiller dans mes affaires et que tu prennes de l'argent sans m'avoir demandé? Je savais que tu allais profiter de ce temps. Je crois que tu as satisfait ta gourmandise là-bas à Bliss Hotel. L'hôtel Bliss? Mais je... N'essaye même pas de le nier. Ne le nie pas. Lawrence m'avait appelé. Il m'a dit qu'il t'avait vu avec tes bons amis. Oui. Oh, Jennifer. Ah, bien, bonjour. Bon comment après-midi. Vas-tu? Oh, mon bébé, comment tu vas? Comment la vie de ton côté? Très, très bien, comme tu peux le voir. On remercie Dieu pour toutes choses. Je peux voir que la main de Dieu est sur toi. Et depuis, tout marche bien. Comment va ta femme? Ma femme, oh, elle était censée déjà être de retour. Mais j'ai parlé avec elle il y a quelques minutes passées. Et elle m'a... Et malheureusement, elle n'a pas fini avec ce qu'elle était partie faire, ok? Mais espérément, je crois qu'elle sera de retour à partir de demain. Je croyais qu'elle n'allait plus partir. Vraiment? Oui. Oui, je pense peut-être parce que son téléphone s'était éteint. Ok. Oui, son téléphone s'était éteint. Ok. Ok. Oh, bébé, c'est tout. Patron? Oui. Le dîner est servi. Vous voulez manger maintenant ou plus tard? Le dîner est prêt? Oui, monsieur. Jennifer, as-tu besoin de quelque chose? Non, t'inquiète pas. C'est bon alors, je... Accorde-moi juste un peu de temps, d'accord? Appelez-moi quand vous aurez besoin de moi. D'accord, oui, monsieur. C'est bon, je te rejoins. Ok, merci, monsieur. Regardez-moi cette fille. Une petite robe qu'il a portée et il la permet. Je suis très sûre que Francis couche avec cette fille. Alors, je crois que tu devrais essayer de l'appeler le soir. Je crois qu'à ce moment-là, elle pourrait déjà charger son téléphone. Ok, je compte déjà partir. Tu t'en vas déjà? Bien oui. Es-tu sûr que tu n'as besoin non, de rien? Non, ne te dérange pas. C'est bon alors. Oui. Angela? Angela? Bébé, tu sais, je ne peux pas arrêter d'admirer ces jolies fossettes. Toi? Mais tes fossettes, je sais, laisse-moi être honnête avec toi. Tu vois ça?
ces fossettes. C'est ce qui m'avait le plus attiré. Tu l'as toujours dit, rappelle-toi. Oui, et je continue à te le rappeler. Pour que tu n'oublies pas. Regarde-la. Oh, oh, j'aime cette fille. Oh, chérie, tu es vraiment drôle. Qu'est-ce qui t'a pris assez de temps? Je suis désolée, madame. Je ne peux pas arrêter d'admirer ces jolies fossettes, tu sais. Regardez-moi bien cet homme. Hey, c'est tout ce que je veux pour moi-même. Hey, j'aurais souhaité être dans la même position. Hey, hey. Oh. Angela? Désolée, madame. Désolée, monsieur. Je vais vite l'essuyer. Désolée, madame. Désolée. Ça va, bébé? Pourquoi ne peux-tu pas essayer d'oublier tout ça? Pourquoi devrais-je? Dis-moi. Ne va pas là. N'essaye même pas d'aller là. Ok. À vous dirai-je, maman, c'est qui cause. Mais c'est pas mal. Patron, tu sais, m'épouser, c'est tout ce que j'ai toujours voulu. Tu ne t'inquiètes même pas pour moi. Mais bien sûr, je t'aime. Tu dois quand même me le prouver. Est-ce que je dois te montrer, avant que tu sois convaincu que je t'aime? Non. Juste par le fait que tu sois sur mon lit conjugal, est une grande raison pour que tu saches que je t'aime. Oh, patron. Merci. Oh gars, je te veux. Qu'est-ce qu'il y a? Maintenant, oh gars, tu es doux. Maintenant, hey, tu me crois? Mais quand, non. Ay. Veux-tu encore plus? Mais oui, non. J'en veux encore. Angela? Angela? Bienvenue, monsieur. Pourquoi dors-tu à la salle à manger? Désolée, monsieur. N'as-tu pas une chambre? J'ai une chambre, désolé, monsieur. Laisse que ça ne se répète plus la prochaine fois. Oui, monsieur. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Mais prends ça. Va me trouver quelques journaux. Les éditions d'hier. S'il te plaît, monsieur. Fais-les rapidement. Ok, monsieur. Désolé, d'accord. Monsieur. D'accord. Chai! Alors, c'était juste un rêve. Aïe! C'est quel genre de rêve, oh? Ah, j'ai vu mon Ogao me toucher. Aïe! Oga Francis est mauvais. Si tu savais combien je l'aime, si tu savais combien je me dérange pour toi. Aïe! Mais attendez, oh. La façon dont évoluent les choses, apparemment, ça va marcher, oh. Hein? Ça va marcher. Moi, je l'ai. J'aurai mon patron. Ah! Oga doit bien me voir, oh. Aïe.
Chai. 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 Hey. Elle est fraîche. Chai. C'est vraiment de la bonne viande. Chai. Hey. Chai. Oh. C'est un miracle. C'est vraiment de la bonne viande. Mon monsieur a quelque chose de bon. Ah, mon oga mange de la viande fraîche. C'est de la viande fraîche, ça. Oh, ya. Par où commencerai-je? Par où commencerai-je? Seigneur Jésus. Maurice. Bon après-midi, madame. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Madame, je suis venu chercher l'argent pour le gaz. Désolé, madame. Allez, sors d'ici tout de suite. Dégage. Désolé, oui madame. Va-t'en. Disparais, je ne veux plus te voir. Pardon, oh, madame. D'accord, mon amour, écoute-moi. N'ai fait absolument rien, d'accord? Je reviens très bientôt et je veux tout régler. Ok, chérie, rentre vite à la maison. Je suis seule et j'ai très peur. Ne t'inquiète pas. C'est ta maison, tu dois être à l'aise, d'accord? Et lorsque je serai là, tu vas me raconter tout ce qui s'est passé, d'accord? Ok. Et comment va notre bébé? Raymond va bien, il dort dans la chambre. D'accord, mon amour, je t'aime. Je t'aime aussi. Loris, que veux-tu? Madame, pardon. Je ne sais pas ce qui m'avait emporté. Je t'en supplie par le nom du Seigneur, s'il te plaît. Pardonne-moi, pardon. S'il te plaît, madame, je ne veux pas qu'Oga apprenne cette affaire. Je ne veux pas perdre mon travail. Une fois qu'il aura appris cette affaire, je serai viré. Pardon. Maurice, je t'ai entendu. Je ne lui dirai rien, juste pars. Dieu vous bénisse, madame. Oui, c'est bon, oui. Allez, Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse, madame. Oh, merci. Je vous serai reconnaissant. Tu avais dit que tu avais besoin de l'argent pour acheter. Non. Ne vous dérangez plus. J'ai déjà utilisé mon argent pour l'acheter. Je vais acheter aussi les carburants avec mon argent. Ne vous dérangez plus. Pardon, madame, s'il vous plaît. Laurence, j'ai entendu. Pars. Juste pars. Dieu vous bénisse, madame. Vous êtes une bonne femme. Dieu vous bénisse, madame. Laurence? Monsieur. Donc tu as quand même eu le courage de venir faire des avances à ma femme. Dans ma maison. Dans ma maison, Laurence. Oga, je t'en supplie, Oga. Je suis vraiment désolé, c'est le diable, Oga. Je suis vraiment désolé, c'est le diable, Oga. Je t'en supplie, Oga. Le problème, c'est que vous avez une très belle femme, Oga. Monsieur, elle était en dormant avec une petite culotte. Ferme-la! Laurence! Tu es malade! Madame, bon. Madame, je t'en supplie, madame, pardon. Donc, je ne peux pas porter de télécosier dans ma maison? Tu es fou! Monsieur. Tu es un idiot, tout fait! Je ne peux pas pardonner, vous êtes mes frères. Mes frères depuis le village. Tu es fou! Ta responsabilité dans cette maison, c'est de me déposer au boulot et de me ramener. Et qu'à la fin du mois que je te paye, tu n'as aucun droit de questionner ma femme. Ici, dans ma maison. Oui, merci. Vous n'aurez plus à me rappeler tout ça. Oh. Vous n'en aurez plus. Maintenant, quitte de ma vue. Merci. Quitte devant moi. Merci, Oga. Je me déciderai sur ce que je vais faire avec toi.
Peux-tu imaginer? Chérie, Lawrence devient un problème dans cette maison. Il doit partir. Il doit s'en aller. Il devient un problème. Peux-tu imaginer? Et il a aussi ce courage. Angela! Angela! Laurence! 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 Patron? Laurence, j'ai vu Laurence ce matin avec son sac. Il est parti. Bien. Je lui ai demandé où est-ce que tu pars avec ton sac. Bien. Chut. Il m'a remis cette lettre. Voyez-la par vous-même. C'est à moi qui l'a remis pour que je vous la remette. Essayez de l'ouvrir et voyez-la par vous-même. Voyez-la par vous-même. Je ne sais pas. C'est comme s'il est comme un sorcier qui marche toujours bien. Et lorsque je lui demande où est-ce que tu t'en vas, il ne dit pas. C'est alors qu'il me remet cette lettre. Et je lui dis, mais pourquoi ouvre-la. Messieurs, j'ai très mal agi, que je ne saurais plus rester à votre vue une fois de plus. Je suis donc parti. Avez-vous quelque chose? Patron? Ouvre-moi le portail tout de suite. Va chez tantine. Va. Rassure-toi qu'il ne puisse pas te madame, je vais prendre soin de lui. C'est bon, mon bébé. Oh, c'est fini. Maman va bientôt revenir. Oh, c'est tout. Sois gentil, bébé. Maman reviendra bientôt. Ne pleure plus. Oh, maman reviendra bientôt à la maison. Elle revient bientôt. Oh, dis maman bye-bye. Dieu revoir à maman. Bye bye maman. Hein? Pi 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 pi. Bye bye maman. Au revoir. Maman. Regarde, maman est en train de partir. Bye bye maman. Dis au revoir à maman. Dis bye bye à maman. Maman revient bientôt à la maison. Oh, ah. Raymond bébé. Maman revient bientôt. Désolée. Maman revient bientôt. Maman bye bye. Angela? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est quoi le problème avec toi? Tu sais que je suis prêt. Tu ne peux pas rester comme ça? Tu n'es pas prête? Dois-je faire de son de Dieu avant que tu me l'accordes? Tu aimes toujours la nourriture. Non. Reste ainsi. Hey! Mais où vas-tu? C'est quel genre de bêtise? Tu veux que je te suive? Hey! Mon Dieu! Mais qu'est-ce que c'est, non? Hein? Mais qu'est-ce que c'est? Hein? Je sais que je l'aurai certainement un jour. Et je sais qu'elle portera à mon bébé. Hey, mon Dieu. Hey. Regardez-moi son popotin. Je veux l'arranger comme ça. Et puis, elle va se mettre sous cette position. Et puis, ce sera... Bah. Angela? La nourriture n'est pas encore prête? Laurence? Kevin.
Calme-toi, calme-toi, parle à basse voix. Ils savent déjà que tu es parti. Il va arrêter ici. Écoute, qui va te faire arrêter? Écoute, c'est moi qui t'ai fait venir ici. Et je surveille tes horaires. Rien ne peut t'arriver avec moi. C'est important que tu le saches. Écoute, écoute, écoute. Essaye de t'arranger, hein. Ne sois pas un lâche, non? Ne sois pas un lâche. Calme-toi. Cet homme, si c'est. Oublie pas à propos de cet homme. Personne ne l'a. Attends que je te montre. Tu vois comment j'ouvre la porte? Alors, il n'y a personne. Tu vois comment j'ouvre la porte? Écoute. Je veux que nous fassions de l'argent. Afin que. Je veux que nous fassions de l'argent. Que nous ayons aussi de l'argent. Calme-toi, rien ne va arriver. Je veux que nous nous mettions ensemble et que nous gagnions cet argent. Oui, je veux que nous fassions de l'argent. Je veux que nous gagnions de l'argent. Je sais que ça ne va rien changer, surtout que tu as perdu ton emploi. Je te dis. Kevin, en fait, et tu es importé, mais tu as quand même de la tête. Est-ce que je suis fou? Est-ce que je suis fou? Comment tu réfléchis comme ça? Écoute, tu vois cette tête-là, elle fonctionne très très bien. Regarde, cet homme, monsieur Francis, il a quelque chose. C'est fort. Tout ce qui passe sur cette corde, elle attrape toujours. Je te jure. Alors, est-ce que tu as un plan? Je suis plein d'idées là. Tu vois cette tête, elle ne peut jamais manquer d'idées. Tu dois essayer de t'apprêter, de te préparer. Tu trouves ces gens-là qui font ce genre de choses. C'est là qu'il y a un peu de force, tu comprends? Je vois. Tu t'organises à trouver une voiture. Tu es un chauffeur, n'est-ce pas? Oui. Tu es un chauffeur, tu t'organises à trouver une voiture avec laquelle les gens peuvent... Non, avec une arme. Mais s'il te plaît, pas d'arme. Je ne veux pas d'arme. S'il te plaît, je ne veux pas qu'il y ait d'arme. Alors, je ne veux qu'un problème. Jouer. Ça peut marcher. Comme ça, quand ils vont commencer à se mentir, pardon. Ils vont croire que c'est une arme pendant que ce n'est pas. Oui. Hi. Alors, hey. Pas d'arme. Afin que nous fassions. Je veux que nous sommes riches. Et que nous fassions toute notre vie. On va essayer de croire véhicule. Écoute, mon cœur me dit que nous allons gagner. Ne sois pas pressé. Ne passe pas là-bas. Va partir quoi. Pas d'arme, n'est-ce pas? Non, pas d'arme. Pas d'armes. Non. Titus, mon gars, sûr. Tchaï. Laurence. Regarde-toi. Laurence, ça fait très longtemps. Mon cher ami. Où est-ce que tu étais tout ce temps? On sait pas, mon cher, la vie n'est pas facile. Mais tu sais que je t'appelais depuis très longtemps et ton numéro ne passait pas. Je l'ai composé, ça ne passe pas. J'ai beaucoup appelé. Ah non, mais ça c'est déjà du passé. C'est hein? Vrai hein? Les garçons qui étaient avec nous ces jours-là, c'est lui qui était venu avec la voiture ici. Lui aussi a dit ne te va pas. Tu ne comprends rien, mon histoire est très longue. Qu'est-ce qui s'est passé? Viens d'abord t'asseoir. Oh mon cher, viens d'abord. Viens me remplacer ici un peu pour quelques minutes. Titus, c'est quoi? Comment toi? Tu n'as Laurence. Jamais changé. Tchè, mon cher ami. Titus, la vie que nous avons menée était très difficile. Regarde-moi, j'ai vraiment maigri. Je n'étais pas comme ça. Titus, je te jure, j'ai commencé des bons business, des très bons même. Mais regarde-moi aujourd'hui, j'ai tout perdu. Je travaille maintenant pour Biz Hotel maintenant. Biz Hotel? Oui, au centre-ville. Tout le monde sait où se situe l'hôtel Biz Hotel. Mon frère. Tout le monde le sait. Que je travaillais avec le monsieur là, monsieur Francis, ma vie n'a jamais changé. Attends, moi vraiment. Tu veux dire que tu ne travailles plus avec ta voiture? Tu me vois encore venir avec le véhicule ici? Je comprends maintenant. Parce que je demandais à mes travailleurs si tu passais par ici. Ils me disaient qu'ils ne te voient plus. Moi d'ailleurs, je savais que tu as changé l'atelier. Parce que tu ne te faisais pas voir. Je pensais même voir un voyant. Et c'est très dur ma vie. Bon, c'est comment ça? Ça appartient déjà au passé, non? Oui, il y a quelque chose qui m'a fait venir ici. Dis-moi, c'est quoi? Titus, je veux que nous fassions des affaires. Tu veux apporter une autre voiture ici pour la réparation? Non. Hein? Regarde, ce deal va nous apporter beaucoup d'argent. Ok. Oui, c'est des grandes sommes. Ça va nous apporter 1 million. Un million de naira. 1 million de naira? Attends un peu. 1 million de naira. 1 million de naira. Mais alors, nous avons besoin d'un véhicule pour ce deal. Oh, de ce côté-là, oublie déjà. La voiture ne posera pas c'est problème. C'est ça.
Même si tu me dis d'apporter la Jeep, je vais la porter. Très bien. Je sais que tu es professionnel en conduite. Et je sais tout ça. Pas de problème. Pourquoi je suis venu ici? Même si tu me dis que tu cherches celle qui règne avec les gens du gouvernement maintenant, je vais te la porter. Voilà. Mais oui. Je savais que je devais compter sur toi. Tu es quelqu'un. C'est mon travail. Confiance. Tu es un homme fort. Félicitations, papa. Mon ami, pourquoi cette voiture est encore là? Hein? Boss, je croyais que ton véhicule a simplement le problème d'huile. J'ai fait une commande d'huile spéciale pour ton véhicule. Le moteur. Arrête de me dire tout ça. La dernière fois que je suis venu, c'est est-ce que je vais parler de la boîte de vitesse? Il n'y a pas de problème, boss. D'ailleurs, j'ai appelé un fournisseur à qui j'ai toujours fait la commande à Manatia. Il a dit que ton véhicule a une panne causée par ton chauffeur. Tu peux le prendre seulement dans une semaine. Pardon, dans une semaine. Dans une semaine, tu vas trouver ton véhicule bien réparé. Regarde seulement comment cette huile a changé de la couleur. Donc, tu veux dire que cette voiture restera encore là pour une semaine de plus? Pour bien réparer la panne. J'ai besoin de cette voiture. Tu sais que j'en ai besoin. Tu sais combien cette voiture est importante pour moi, n'est-ce pas? J'en ai besoin. Je vais réparer. Pas de problème, boss. Pas de problème. Je vais le réparer. Avant même d'arriver la semaine prochaine, je vais tout réparer. Même si ma femme venait, elle peut rouler avec. Nous sommes dans une famille de mécaniciens. Il n'y a rien de mal qui peut te déranger. Que ce soit même cette boîte de vitesse, je vais les démonter et les changer. Je vais rendre ces véhicules nouvelles. Mon ami, laisse-moi t'avertir. Laisse-moi bien t'avertir. Si je viens ici la semaine prochaine et cette voiture n'est pas prête, tu auras des problèmes sérieux avec moi. Tu auras des problèmes très sérieux avec moi. Viens seulement la semaine prochaine pour prendre ton véhicule. Tu as intérêt, oh. Boss, excuse-moi, j'ai oublié de te dire quelque chose. Je n'ai pas parlé de l'argent. Tu sais que j'irai à Omanicha chercher les matériaux pour la réparation. J'aurai besoin de 2000. Mais 2000 pourquoi? Mais ces matériaux arriveraient ici comme ma boss. Trouve-moi moyen de faire ça. Comment je vais les apporter ici? Trouve-moi moyen de faire ça toi-même. Mais boss, pourquoi tu fais comme ça? C'est le travail de ton véhicule. Madame, s'il te plaît, ouvre le portail. Ouvre le portail. Ok. Francis, s'il te plaît, allez. C'est bon, bébé, calme-toi. Oh, calme-toi, bébé, hein? Appelle d'abord ces messieurs. Oh, vraiment. Ça peut être ça, d'accord? Ok. Allô? Oui. Laurence, ça avance. Tu comprends? Ça avance. Tiens-toi toujours au plan. Tiens-toi au plan. Cet homme a beaucoup d'argent. Et comme ça... L'argent doit sortir. Ça doit exactement sortir, mon cher. D'accord. Peu importe ce qu'il voudra payer, nous n'accepterons que 3 millions. C'est parfait. Nous n'accepterons que 3 millions. 3 millions 3 3, 3 tu ne connais pas 3 1, 2, 3 millions. Oui, 3. Ne te dérange pas, d'accord? Nous sommes en position de ces petits. Et l'argent doit sortir. Hein? Considère que c'est déjà fait. Oui, maintenant allez-y. Allez-y récupérer. Ces 3 millions-là, nous n'acceptons même pas 2 millions. N'oublie pas,
et utilise ta tête. Allons-y. Allons-y. Oh bébé, ne pleure pas. Hein. C'est fini, c'est fini, c'est fini. C'est bon, du calme, mais tu as déjà trop pleuré. C'est bon, ils vont le laisser. C'est pas du tout bon. S'il te plaît, c'est bon. Non. Je ne sais pas où se trouve mon fils en ce moment. Je sais pas. Arrête, s'il te plaît, ça va aller, j'ai cru au miracle. Bienvenue, monsieur. Bienvenue, monsieur. Patron, bienvenue. Bienvenue, 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 patron. Comment c'est bon, relax, s'il te plaît. Chérie, oh chérie, mon fils. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé, dis-moi? Qu'est-ce qui est arrivé à notre bébé? Non, s'il vous plaît, monsieur. Non, non. Pitié. Pitié. Non, 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 non. Pitié. Oh, je vous en prie. Pitié. Oh. Mon fils. Mon fils. Oh, non. Oh, au secours. Au secours. À l'aide. À l'aide. Oh, mon Dieu. Mon fils. Revenez. Revenez. Oh. Oh mon Dieu! Mon Dieu! Oh non, mon fils! Mon Dieu! Pas belle, ça va aller, ok? C'est pas vrai! Je n'y crois pas, je n'y crois pas, mon fils! Ne t'en fais pas, c'est bon, calme-toi! Calme-toi, du calme! Ne me demande pas de me calmer, ça va pas! Du calme! Ça va pas, mon fils! Oui, allô? Allô? Est-ce que c'est l'OPJ? Qu'est-ce qui ne va pas là-bas? Es-tu folle? Es-tu va en faire, idiot. Qu'est-ce que tu penses? Va te faire voir. Là-bas. Arrête de me déranger. Tu vas en faire. Va brûler en enfer. Regarde-les. Idiot. Ça, un idiot. N'importe quoi. Qu'est-ce que tu crois, hein? Regarde-toi. C'est bon. Tu es juste un pauvre idiot qui n'a rien et qui cherche à tout moment à m'embêter dans cette maison. Qu'est-ce que tu crois, hein? Bienvenue, patron. Patron, bienvenue, monsieur. Bienvenue, monsieur. Peux-tu imaginer? Peux-tu imaginer ce que cet OPG est en train de dire? Alors, si je ne leur donne pas 200 000 Naira comme frais de mobilisation, ils ne vont pas le faire. Mais qu'est-ce que c'est au juste? C'est quel genre de pays, ça? Ils veulent juste collecter l'argent. Hein? Chérie, s'il te plaît. S'il te plaît, bébé. Tu as cet argent. Pitié, donne-leur. J'ai pas envie de perdre mon fils. Et tu penses qu'à donner cet argent, ils vont libérer l'enfant? Jennifer, arrête! Arrête d'être négative! Nous devons faire notre part! Chérie... Chérie, s'il te plaît, répare aux stations de police, je t'en prie. C'est bon alors. C'est bon, calme-toi, c'est bon. Qu'est-ce que tu faisais là-bas? Non, rien, rien, hein? rien, rien.
Rien. C'est juste que... C'est juste quoi? Je me sens concerné. Tu vois, ces kidnappeurs-là, hein, ils ont kidnappé Raymond. Oh, Raymond. C'est Raymond qu'ils ont kidnappé. Mm-hmm. Oh, ça me dérange. J'espère qu'on puisse pas les tuer. Tu es au nom de Jésus. Le Saint-Esprit. Mais c'est quoi ça, non? Mais alors, mais tu trouves pas que c'est pas clair? Pourquoi ils peuvent kidnapper ces petits enfants innocents, hein? Je me sens concerné, non? Mais comment peux-tu avoir ces genres d'idées? Comment peux-tu avoir ces genres de mauvaises idées? Oublie un peu qu'on va tuer. Oublie un peu qu'on va tuer. Personne ne va tuer personne. Ok, laisse-moi les finir ce que j'ai préparé. Je prépare dans la cuisine. Ok. Angela? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Sais-tu que... Que quoi? Hein, quoi? Tu n'arrives plus à parler? Désolé. Tu ne peux plus parler. Il s'agit de quoi? Désolé. Voilà ce qui s'est passé. Et en ce moment que nous parlons, il réclame une somme de 5 millions jusqu'au demain. Ils disent que si nous ne remettons pas cet argent, ils vont tuer cet enfant. Mais ce que je trouve un peu louche, c'est comment est-ce qu'ils ont pu avoir nos numéros de téléphone. Francis, suis-moi. Je mérite de dire quelque chose, mais en privé. Ma belle, calme-toi, du calme. Du calme, écoute-moi, je suis là. Ma belle, du calme, calme-toi. Relax, s'il te plaît. Ils vont le libérer. N'oublie pas que tu dois être forte pour lui, s'il te plaît. Mais quand est-ce qu'ils vont le libérer? Ne t'inquiète pas, ils vont le libérer, il va revenir. Du calme, c'est bon. Sois forte, c'est bon. Je sais ce que tu ressens, ça ira. Je suis désolé, mon frère, de ce qui vient de se passer maintenant. Je sais que c'est un problème qui te dérange beaucoup. Sois fort. Tu sais, les kidnappeurs qui ont kidnappé ton fils Raymond, ils habitent seulement dans cette maison. C'est vrai. Il y a un suspect qui sont avec eux en communication dans cette maison. Alors, dès à présent, ton agent de sécurité, l'ami de ta femme, y compris aussi ta bonne, tous sont suspectés. À partir d'aujourd'hui, tout ce que nous ferons, tout ce que nous parlerons sera fait en secret. Ok? C'est bien. Après notre conversation, tu vas dire à l'ami de ta femme de rentrer chez elle. Ok? Je ne veux pas que tu t'inquiètes. Sache que je suis là. Nous allons retrouver Raymond. Rappelle-toi de ce qu'on a fait au Soudan, bien que ça fait longtemps. Oui, tu as raison, oui. Je me rappelle très bien. Partons alors, discutons avec Suzanne. Oui, allons-y. Premièrement, je voudrais te rassurer. J'irai avec ce problème jusqu'au bout. Je ferai tout ce qu'il faut pour retrouver ton enfant, donc tu n'as pas à t'inquiéter. Ton mari et moi, nous sommes amis il y a beaucoup d'années, c'est avant même qu'il t'épouse. Mais, en passant, selon mon avis, il y a un intrus et cette personne communique avec les gens de l'extérieur. La personne chargée de cet acte, il a une large connaissance de cette famille. Oui, mais la vérité est que je découvrirai cette personne. Et cette personne, je vais dire, la personne qui a organisé ces kidnappings, il n'a qu'une seule chose qui le motive, c'est l'argent. Tu sais, Raymond sera bien et en sécurité dès que tu vas leur donner de l'argent. Je sais. Et l'adresse qu'ils ont envoyée pour déposer de l'argent, je sais cet endroit. C'est un endroit où les bandits et les criminels opèrent souvent. Je connais bien cet endroit. Alors, dès demain, c'est le jour de faire le dépôt. Je te conseillerais que d'exécuter ce qu'ils ont dit. Sois là à temps avec l'argent et exactement le montant qu'ils ont demandé. Dès ce soir, je serai là en brousse pour étudier leur plan. Bien sûr, de cette façon, nous allons mieux faire. Raymond retournera en sécurité et ta famille ira mieux comme avant. C'est bon. Madame, ne t'inquiète pas. J'apprendrai à ces idiots une leçon qu'ils n'oublieront jamais.
Sentinelle. Monsieur. Personne n'entre, personne ne sort. Oui, monsieur. D'accord. Oui, monsieur. Je reviens bientôt. Oui, monsieur. S'il te plaît, assure-toi de très bien prendre soin de la maison. Laurence, Laurence, écoute, écoute, écoute. Ils arrivent déjà maintenant. Oui, non, 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 non. C'est juste patron et madame. Non, 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 non. L'argent se trouve là. C'est moi qui l'ai porté. C'est moi. Oui, ça se trouve là. Je l'ai même senti. Oui, ça se trouve là. Ça se trouve dans la voiture. Mais je vous dis d'être sûr, non? Hein? Mais je vous dis d'être... vous commencez encore... Mais de quoi est-ce que vous êtes sûr, non? Mais qu'est-ce que vous dites? Vous êtes sûr de quoi? Non, non, c'est moi qui ai porté cet argent. Je vous dis, je suis sûr. Ne blaguez pas avec moi. Ne blaguez pas avec moi. C'est 3 millions. Des millionnaires. Je vais acheter cette voiture qui coûte 350 000. Je vais acheter cette voiture qui coûte 350 000. Et puis avec les restes, j'irai avec les femmes à l'hôtel. Là-bas, je vais profiter d'elles. C'est quel genre de tentation, ça? Mais c'est quel genre de tentation, ça? Bébé. Bébé, s'il attends, te plaît, c'est encore d'appeler. Attends que j'essaie encore le numéro. Oui, ça sonne. Allô? Allô, Scorpion? Allô? Oui, vous êtes arrivé? Oui, nous sommes déjà presque arrivés. Nous sommes presque. Ok, ok. Sa zone est bien sécurisée pour le moment. C'est tout. Y a-t-il quelqu'un devant toi? Je peux voir quelqu'un ici. Ok. Oui, mais Raymond est bien en sécurité. D'accord, c'est noté. D'accord, c'est bon. Permets-nous d'arriver. Tu vas nous voir d'ailleurs venir. Bien compris, je vous attends. Je crois que tout ira bien. Ok. Il dit que la zone est sûre et sécurisée. Et Raymond? Et notre bébé va bien. Oh, oui, notre bébé va bien. Et d'ailleurs, il se cache dans la brousse. Il peut le voir, mais ils ne peuvent pas le voir. Allons-y rapidement. Je pense que ce chemin peut être un raccourci. Es-tu sûr que c'est oui, ça la direction? Oui, je connais. Je crois que je connais déjà ce chemin. Je t'assure que tout ira bien. Nous allons récupérer notre bébé. Tu es moi. Maman, tu es mon fils. Je ne veux pas qu'il meure. Qu'il ne meure pas. Oh Seigneur, pitié. Pitié de moi. S'il te plaît, calme-toi. Fais en sorte que mon fils soit en vie. Il ne meurt pas, pitié, mon Dieu, je t'en prie. Oh, Raymond, Raymond, tu manques, mon fils, tu manques. Dieu, mais voyez-moi cet idiot. Mais qu'est-ce que tu fais là? Dégage de la route. Oh, chérie, par là. Je crois que c'est par là. Tu dois tourner.
Mais où est-ce qu'ils se sont cachés? Où est passé ce Titus? Mais pourquoi est-ce qu'il agit comme ça? C'est très dangereux pour nous. Mais qu'est-ce qui se passait? Pourquoi Titus se comporterait comme ça? Je savais que ce garçon allait foutre l'affaire en l'air. Je ne lui ai jamais fait confiance. Regarde ce qu'il fait maintenant. Quelqu'un à qui j'ai bien dit de venir rapidement me chercher, pensant qu'il va trouver le mécanicien rapidement. Regarde-les maintenant. C'est pas normal. Regarde-les. Mais là, je ne sais pas à m'y prendre. Comment sortirai-je de cette situation, moi-là? Regarde-les maintenant. Ce n'est pas normal, ça. Regarde. C'est pas normal. Et si je fouillais ici, tu as pris ton temps à me dire que ces gens étaient riches. Regarde comment tu te comportes. Calme-toi, d'accord? Calme-toi. Tiens, laisse passer, d'accord? Calme-toi. Salut. Arrêtez-vous. Jetez le sac. Retournez. Hey.
Disparaissez. N'ose pas bouger. Je vais t'étirer maintenant. Alors dépose ton arme par terre. Laurence. Non, monsieur. Monsieur. Mais, regarde monsieur, la paix. C'était toi. Monsieur, j'ai pas fait ça. Monsieur, pardon, monsieur. Pardon, monsieur. Oh mon Dieu. Donc, c'est toi les responsables qui ont fait ça. Monsieur, d'argent. Ok, s'il te plaît. Tu la fermes. Ne me fais pas comme ça, pardon. S'il te plaît, reprends cette personne. Tais-toi. Tu la fermes. Parle maintenant. Ok, pardon. Tu la fermes. Ferme-la. Tu la fermes, tu as kidnappé cet enfant. Tais-toi. Pardon, dis quelque chose. Mais vas-y, parle. Oh mon Dieu. Tu la fermes. Verso stupide. C'est toi qui nous fais souffrir. Oh mon Dieu. Ferme-la. Je dis fais. Kevin. Mais qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça, non? Mais depuis que je t'ai appelé pour plus de 5 fois. Tu ne prends pas. Qu'est-ce qu'il y a encore, non? Oui, mec, tout s'est passé très bien. Mais j'ai résolu ce problème seul. J'ai travaillé seul. Et puisque l'argent est sorti, nous avons juste travaillé deux. Hey. Donc nous allons gagner cet argent à deux. Celui-là était parti, oui. Il n'a pas contribué dans cette affaire. D'accord? Hey, je crois que tu vas bien. Nos affaires aussi vont bien. Oh, voyons, mon cher. Qu'est-ce que tu es en train de me raconter? Je t'ai dit que j'ai déjà eu de l'argent et on a finalement fini avec cette affaire. Tu vois le Jeep du boss là? Nous allons l'acheter pour nous-mêmes, d'accord? Viens, on va partager cet argent. C'est vrai ce que tu dis? Hey, une très bonne voiture. Non, mais franchement. C'est bon. À demain. C'est bon. Hey, cette voiture là. D'accord, demain. Et non, mais qu'est-ce qu'il y a encore? Debout. Avance. Je ne suis qu'un simple villageois. Avance. Je suis qu'un simple villageois, gars. Vous n'êtes qu'une bête. Avance là-bas. Eh mon Dieu. Donc, à partir de demain, ce Kevin deviendra un millionnaire. Mon Dieu. Hey. Mais cette affaire, c'est très simple. Dans ce cas, je vais lancer une affaire de kidnapping. Donc je vais le faire, papa. Lorsque tu veux l'argent, Pia, tu le kidnappes. Et puis l'argent va commencer à venir jusqu'à ce que j'aurai beaucoup d'argent, je serai un grand millionnaire. Quand je serai millionnaire, je vais acheter des voitures. Et déjà, j'irai là-bas. Parce que déjà, à partir de demain, je deviendrai... Oh, ces ténèbres reviennent encore. Mais ils reviennent encore dans ma tête. Je ne fais pas de ça. Un dernier regard. Un regard de bye-bye. Je ferai à cette maison bye-bye, car à partir de demain, je ne vais plus voir cette maison, ces voitures. Car à partir de demain, je ne serai plus à côté de vous. Je dois que vous dire bye-bye. Bye-bye, à cette maison, bye-bye, à toutes, bye-bye. Ne vous dérangez pas. Tchai, je deviendrai millionnaire. Ferme-la, stupide. Pardon. Et toi, hein? Ferme-la. Donc vous avez fait un complot de kidnapper cet enfant. Toi, tu n'as pas de choix. Pardon. Ferme vos bouches. Malfaiteur que vous êtes. Avance. Je suis avec eux aujourd'hui. Je ne veux pas encore finir avec eux.
Il faut mes ceintures aujourd'hui. Où êtes-vous? Les idiots! Tu imagines ça? Je n'arrive pas à le croire. Je ne peux pas le croire. Je fais confiance à Kelvin. Kevin? Lawrence? Femme le porter après eux. Ok, monsieur. Ok. Hey! Oh! Ce monde est vraiment rempli de surprises. Mais ma joie est juste que nous avons Raymond avec nous. Oh, Raymond. Oui, il est là. Raymond. Bébé, j'ai besoin d'argent. D'accord, d'accord. Et pourquoi? Eh ben, j'ai besoin de me faire coiffer et aussi acheter quelques histoires de maquillage. C'est bon alors. Rappelle-moi demain très tôt matin. Veux-tu que je fasse un transfert ou que je te le donne en main? Je pense que les virements seraient mieux. D'accord, rappelle-moi demain très tôt matin. Est-ce que ça, 50 000 lira sera suffisant pour toi? C'est vrai. Mon amour. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est peu? 150 000 lira? Oui. Viens par là. Je t'aime beaucoup, bébé. Je t'aime aussi. Merci. Je t'aime énormément, mon bébé. Maintenant, je t'ai fait confiance. Tu ne me croyais jamais avant? Bien sûr. Pourquoi? Parce que je me disais que c'est d'autres femmes qui bouffaient ton argent. Comment peux-tu penser à une chose pareille? Mon argent t'appartient. Oui. Et ton argent m'appartient aussi. Oh, non, 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 non. Mon argent, c'est mon argent. Ça m'appartient aussi. C'est bébé, bon. Je suis heureuse demain avec très toi. Tôt matin, n'oublie pas de me rappeler.